Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur Blab Linux YouTube pour une nouvelle vidéo de présentation. Qu'allons-nous voir? Nous allons voir Linux Debian en version 15.4 bêta. Linux Debian égale distribution chinoise. Petite parenthèse, un grand merci à toute l'équipe d'administration de Blabla Linux Facebook, que ce soit mon bras droit administrateur Mike, ou que ce soit l'équipe de modération que j'ai sélectionnée et mis en place. Ils font un début de boulot magnifique. La route sera longue pour donner l'orientation que l'on veut donner à Blabla Linux. Donc oui, on accueille les débutants, hein, entre guillemets, oui, on les aide, mais Blabla Linux doit aussi bien être un groupe pour les débutants, mais également un groupe plus technique si du technique lui est demandé au travers d'Edmond. Alors, encore une petite parenthèse, sachez que d'ici peu, chose promise, chose due, je m'avance peut-être parce que rien n'est encore lancé officiellement, mais il y a un début à tout. La location du serveur dédié va se faire d'ici peu. Bonne nouvelle, ce qui veut dire que Blabla Linux va pouvoir offrir un wiki, un espace de stockage digne de ce nom, donc FTP. Et alors, probablement que Blabla Linux, le blog, sera hébergé sur ce serveur. On en reparlera quand il sera encore temps et quand j'aurai plus de concret à vous fournir. On revient à nos moutons. Linux Debian 15.4 bêta. En date du 28 février, un article est paru sur le web. Je sais plus exactement la source, mais ça disait entre autres: les développeurs du système d'exploitation Linux Debian ont annoncé la disponibilité d'une première version bêta, donc en version 15.4. Et cette version 15.4 bêta, eh bien, elle promet des fonctionnalités nouvelles et passionnantes, ainsi que de grandes améliorations. Les plus grandes nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation Debian en 15.4 bêta semblent être un centre de contrôle remanié, ce qui rendrait la distribution plus facile pour l'utilisateur final. Alors, une interface utilisateur d'installation toute neuve qui offre une détection intelligente pour une installation existante. Alors, des conseils utiles ont été greffés à l'ensemble, ainsi qu'un QR code si vous voulez donner votre avis. Alors, un peu plus technique, Debian 15.4 est maintenant alimenté par un noyau Linux en version 4.9.8. Alors, parmi les améliorations apportées dans Debian 15.4 version bêta, on peut citer un noyau donc mis à jour, qui est maintenant basé donc sur la version 4.9.8. Alors, cette version, elle fournit un soutien, entre autres, hein, pour les nouveaux processeurs Intel de la 6e et 7e génération. Une intégration de la MT Extra et Webding Police de symboles pour le WPS Office. Donc, WPS Office, je rappelle, c'est une suite bureautique libre, entre guillemets, ainsi que le support multitouch. Alors, le client QQ Chat a été mis à jour pour les versions les plus récentes disponibles au moment de la libération. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Ouais, il y a maintenant une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs d'enregistrer et de configurer l'état verrouillage numlock. Ouais, donc ça, c'est bon, c'est pas grand-chose. Ah oui, important. Donc déjà là maintenant, la version 15.04 taguée bêta, mais même quand elle ne sera plus taguée bêta, qu'elle sera en 15.04, 15.4 finale. Je veux dire que là maintenant, elle n'existe qu'en architecture 64. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un oubli, la version finale ne sera proposée qu'en 64 bits. Vous ne trouverez pas de 32 bits. Sauf, je dis bien sauf, si vous êtes une entreprise et que pour un quelconque besoin, l'architecture 64 ne vous convient pas, vous voulez travailler en 32 bits. Vous pouvez contacter le staff de Deepin et je pense qu'il y a moyen d'obtenir, à titre d'exception,
une architecture en 32 bits. Et alors, déjà l'image ISO. Donc là, je suis sur le FTP BBL, donc Blabla Linux. On va faire ISO. Debian Ubuntu. Deepin 15.4. Beta. Oh, que c'est bien rangé tout ça. Et on peut voir l'ISO. Un bon gros 2 Go. 2 Go et 381, 382 mégas. Ok, la VM prête à l'emploi que je vais utiliser là maintenant avec vous, je la proposerai publiquement après. Je vais utiliser VMware Workstation, mais je vais aller chercher cette image sur une autre machine. Donc ici, bah, j'utilise VMware Workstation en tant que client et je vais aller chercher ma VM sur le serveur qui se trouve sur une autre bécane. Donc en réseau local. Alors, l'avantage d'utiliser Workstation, donc client-serveur, ben, c'est que je ne vais pas gaspiller les ressources de la machine sur laquelle je suis. Hein? Voilà, mon processeur n'est pas utilisé, ma mémoire non plus, mon disque non plus. Mais par contre, ce qui va être utilisé, voilà. Ben c'est les ressources de la machine serveur. Hein? Voilà. On peut voir ici le processeur. Et encore, quand je dis utiliser, ben oui, ici, voilà, ce sont les ressources de la machine serveur qui sont utilisées, mais on peut voir que c'est très, très peu. Hein? Alors, Linux Debian, une distribution chinoise, ce qu'ils ont voulu prouver, les Chinois, c'est que au niveau du design et de l'élégance, ah ben, ils sont top. Alors, les Chinois, c'est un peu ça. Soit ils nous sortent des grosses merdes, ou alors ils nous sortent quelque chose de. Bon, en fait, quand on le voit, on fait waouh. Et là, on fait waouh. C'est bien de faire waouh, mais il faut que ça marche. Je m'en fous d'avoir quelque chose de joli si ça marche pas. Ben, ici. C'est joli. Maintenant, les goûts et les couleurs sont dans toutes les natures. Hein? On aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je la trouve jolie. Mais il faut qu'elle fonctionne bien. On va voir si elle fonctionne bien. Je ne vais pas faire une présentation de long en large. Je vais juste survoler. Okay? Je l'ai déjà présenté en rentrant vraiment dans les moindres détails. Ici, ce n'est pas le but. C'est de voir un peu les nouveautés en gros. Donc, si je fais un clic droit sur le bureau. J'ai accès à New Folder, donc nouveau document, Word, Excel. Ah tiens, Word, Excel, PowerPoint, texte. On va voir ça après. Un classement donc par nom, par modification, donc temps, hein, temps de modification, la taille, le type. Je peux effectuer un arrangement auto de mes icônes sur le bureau. Je peux ouvrir dans un terminal. Propriétés, réglage écran. Ah, corner setting et les wallpapers. On va commencer par les hot corners, comme j'appelle. Alors, lanceur. Donc, je suppose que si je fais ça, donc clic droit, corner setting. J'ai fait autrement. Moi, attendez, on va faire. Attention que je suis sous VM. Est-ce que ça marche? Ouais, et là, alors, c'est quoi celui-là? Corner setting. Ah, aucun. Toi, c'est quoi? Lanceur. Toutes les fenêtres. Centre de contrôle. Attention que, voilà, ça ne détecte peut-être pas. Je ne pense pas. Ah, celui-là, il marche en tout cas. Il vient de marcher en tout cas. Voilà, mais ça c'est pas. Voilà, ça vient de la VM. Ah, voilà, vous voyez, il marche. Voilà, donc sinon, display setting, on verra après. Les wallpapers. Voilà. Il y a pour tous les goûts.
Et vous voyez, chaque wallpaper, donc bureau uniquement ou pour le verrouillage uniquement. Bon, on va mettre celui-là, ça va changer un peu. Alors, clic droit, bon, il n'y a plus rien. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, on va directement aller dans le centre de contrôle. Voilà, c'est lui qui a été remanié. Il nous propose un nouveau centre de contrôle. Déjà, avec un effet de transparence. On aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime bien. On peut voir que la météo est de la partie. Alors, je découvre avec vous, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, si je clique bien là, centre de contrôle, heure, calendrier. Donc, heure, calendrier, météo. Alors, donc, ah ouais, donc météo ou les notifs. Je suppose que si je place mon centre de contrôle sur la vue notification et que je rappelle le centre de contrôle, il reste dessus. Super. Le son, la luminosité, VPN, mais il n'y en a pas. Et là, je suppose, puisque je découvre avec vous, que si je fais un clic, ah ok, je rentre vraiment dans les fonctions, dans la personnalisation du centre de contrôle. Je découvre réellement avec vous. Hein. Je l'ai installé il y a quelques jours d'ici et j'ai vraiment pas fait joujou avec. Donc, j'aime bien l'esthétique du nouveau centre de contrôle. Maintenant, reste à voir s'il est pratique. L'ancienne version du centre de contrôle était vraiment pratique. Ils avaient un peu réinventé la roue, si je peux m'exprimer comme ça. Cette icône-là, elle me tracasse. Ah, pas mal du tout. Ça me plaît par contre. Ok. Compte. Display, écran. Application par défaut. Personnalisation. Network. Le son, date et heure, énergie, donc power management, mouse, un touchpad, clavier et langue, donc déjà, alors on va aller chercher le clavier. Belge. Voilà. Alors, c'est bien, mais je dois le faire passer. Ah, voilà. Ok, nickel. On va regarder s'il y a des mises à jour. Maintenant, voilà, je passe, je check les updates via le centre de contrôle, mais je pourrais aussi bien lancer le terminal, hein. Ok, télécharger. Oui, je ne vois toujours rien. Ah, voilà, ok. Alors, ben, download update. D'accord. Une autre façon de faire, un peu à la Windows. Le but, on s'en fout un peu de comment le process s'effectue. Hein. Le but, c'est que ben c'est que ça fonctionne. Ok, donc le pass. Voilà, donc centre de contrôle. La météo va arriver. Alors, account, blabla. Alors, je peux modifier l'avatar. Ok. Bon, on va mettre notre ami le cheval. Alors, je peux modifier le mot de passe. New password. Alors, auto-login. On peut voir si ça marche. Hein. On verra bien. Alors, display, je peux choisir la résolution. Ouais, j'ai oublié dans compte, on peut créer un nouveau compte. Hein. Bon, on peut essayer. Hein. Alors, BBL test, password,
password et je crée. Voilà. Donc la création s'est déjà bien effectuée. On peut modifier la résolution. Donc là ici je suis en 1600 par 900. Alors je peux jouer sur la rotation. Alors je peux choisir mes applications par défaut. Donc au niveau du navigateur, ce sera Google Chrome. C'est le choix discutable ou non de l'équipe de développement d'Epin. Alors comme client mail, nous aurons Thunderbird. Je pense que là, il n'y a pas à discuter, même si on n'est pas certain encore de l'orientation et de la continuité de Thunderbird. C'est encore un des meilleurs sous Linux, je pense. Texte, ben, ce sera Judith. Musique, ce sera... Ah oui, parce que l'équipe de développement d'Epin a sorti ses propres applications. Pas toutes, mais quelques-unes. La musique, ce sera d'Epin Musique. Vidéo sera d'Epin Film. Nous avons d'Epin Image Viewer. Nous aurons, je crois que c'est d'Epin Terminal. Voilà. Alors, ça, c'est tout ce qui concerne le lancement automatique. Ok. Alors, personnalisation, thème. Et oui, on peut choisir son thème. Mais pour bien avoir son thème, il faudrait que je lance genre le gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc je retourne au centre de contrôle. Black. Alors. Icône thème. Flat. Black. Voilà. Est-ce que maintenant ça va prendre cours ou pas? Ah, les icônes, oui. Le thème dark, pas encore. Donc, présentation thème. Peut-être après le redémarrage, on verra après. Alors, les polices. Hein? Donc, la taille. Et la sorte de police. Tout ce qui concerne le réseau. Général. Ethernet. Sécurité. IPv4. IPv6. DSL. VPN. Proxy. Alors, des petits détails concernant le network. On peut voir que je suis mon IP local. Donc, à l'intérieur de mon réseau local, c'est 192.168.2. Point 12, et comme gateway je suis en point 1, donc mon routeur. Alors, tout ce qui concerne le son, on peut voir que le son est bien actif, le volume de sortie, la balance, le microphone est bien actif, hein, la puissance de sortie du microphone, réglage avancé, ça m'intéresse, effet sound, petits effets dans la distribution. Alors, l'heure et la date. Alors, une auto-synchronisation s'effectuera. Alors, le gestionnaire d'énergie. Le moniteur sera suspendu, donc l'affichage après 15 minutes. L'ordinateur rentre en veille, ben jamais. Quand le moniteur est suspendu, est-ce qu'il faut réintroduire son mot de passe? Non, mais par contre, quand l'ordinateur sort du mode veille, oui. Alors, souris et touchpad. Alors, clavier et langage. Ah, par contre, update setting. Alors, on peut demander un téléchargement automatique des updates. On peut choisir son miroir. Alors, voilà les infos. On voit bien qu'on est en 15.4 desktop, architecture 64. Donc le serveur sur lequel tourne la VM. La mémoire que j'ai allouée. Et la création donc du disque virtuel en taille dynamique de 32 Go. Alors, voilà le launcher. Alors si je clique ici, on s'y retrouve un peu mieux. Ce qu'il y a, c'est que les catégories apparaissent. Là, bon, on a les applications en vrac. Hein. Voilà, maintenant, on utilise la molette de la souris, on descend, on monte. Ou alors, on peut effectuer une recherche via
via la barre de recherche, hein, donc je veux, je sais pas moi, Chrome. À partir du moment où j'ai introduit un caractère dans la barre de recherche, toutes les applications disparaissent. SY, il devrait m'afficher au moins mon moniteur système. Géo, il devrait au moins m'afficher Google. Non, rien. Hein? Alors, par contre, je peux demander un affichage, un tri par catégorie, tout ce qui concerne Internet. Si je veux la lecture, voilà la lecture. Si je veux les graphismes, voilà les graphismes. Donc moi, je naviguerai comme ceci, je pense. Maintenant, je vais quand même essayer une recherche, mais une fois les catégories. Ok, donc petit problème, mais je rappelle qu'on est en bêta. Hein. Je vais pas aller taper sur le dos de Deepin 15.4 qui est en bêta. Ok? Avant de regarder les softs installés, on va voir ce qui est mis. Ah ouais, je peux demander à donc à montrer le bureau. Donc toutes les fenêtres sont abattues. Vous voyez? Ici, la vue multitâche. Voilà. Donc, deuxième, troisième, quatrième. Je reviens au premier. Je peux en demander plus. Alors, je peux aussi ben, supprimer. Voilà. Alors, je suppose que je peux faire ceci. Voilà. Et alors déplacer. Magnifique, super, ça fonctionne bien déjà. Alors nous avons le Deepin Store, le magasin donc d'applications, si on peut l'appeler comme ça. À l'époque quand j'avais testé Deepin, je le trouvais bien fichu. On va voir si c'est toujours le cas. Alors donc la page d'accueil, un classement par vote. Donc ce sont toutes les catégories en fait. Internet, chat, musique, vidéo, graphique, game, les jeux, office, donc tout ce qui concerne la bureautique, la lecture, le développement, système. Et autres. Alors oui, vous avez pu remarquer que malgré que j'ai bien procédé à une installation donc francisée, hein, avec le choix de la langue française, donc pour la Belgique, une entrée clavier belge, l'entrée clavier est bonne. Maintenant, la distribution, soit l'installation s'est mal passée, ou alors il y a une très mauvaise francisation. Oh là là! Je commence à partir en couille. Mais voilà, encore une fois, on est en bêta. À voir. Donc, ce qu'on peut déjà faire, c'est déjà voir si l'installation d'un soft se passe correctement. Je vois que VLC est bien placé. On va demander une installation. Regardez. Donc, je suppose que si je clique là. Ok, je vois VLC qui est en train de se downloader. Alors, vu que je suis extrêmement gâté à l'heure actuelle avec ma connexion, merci Proximus. On va voir si ça fuse ou pas. Donc là encore, je ne pourrai pas bien donner mon avis et juger, et je ne le ferai pas parce que cette version est en bêta. Mais voilà, je ne vais pas savoir si ça vient réellement de ma connexion ou du mal qu'a la distribution à rapatrier un paquet. En tout cas, l'affichage du débit ne se fait pas. Ça, apparemment, ce serait les pourcentages. Donc, on va attendre. On va attendre, on va laisser ça là. Alors, nous avons. Donc, quand je dis nous avons, c'est ce qui est présenté dans le doc en tant que raccourci. Hein. Donc, ils mettent en avant leur application vidéo, donc Deepin Film, enfin vidéo, moi que ce serait un... Ouais, c'est ça. Deepin Film, Deepin Movie. Alors, nous avons Chrome.
Chrome que beaucoup de libristes ne veulent absolument pas avoir dans une distribution Linux. Chrome qui lui par contre s'est bien approprié le thème Dark. Hein. Ouais. À propos de Google Chrome, alors on est en version 55, on voit bien architecture 64 bits. Ça, on a vu. Ouais, bah allez, je vais en mettre un quand même. Hop, hop. Hop. Alors, ça, on a vu, ça, on a vu. Ici. Ah, le volume. Tout ce qui concerne le réseau. Tout ce qui concerne... Ben voilà, hein. Donc ça m'ouvre le centre de contrôle. Ah ouais, au niveau du réseau. Donc je recommence, voilà, un clic, ok. Et alors si je clique là, normalement... Ah ouais, non, ça n'ouvre pas le centre de contrôle. Donc ça m'ouvre l'application, je suppose, calendrier. Deepin Calendar. Et alors, la corbeille. Donc ça ouvre le gestionnaire de fichiers. Qui n'est autre que Deepin File Manager. Et oui, en version 1.3. Alors, VLC. Ok, alors on va voir. Ouvre-toi VLC. Super. Et nous avons affaire à la version 2.2.4 WeatherRax. Alors, ce que j'ai pas montré, évidemment, à garder. Hein. Donc, VLC est parfaitement bien intégré. Je suppose que... Ok. Ouais, ça, je vais montrer après. Voilà. Donc, on peut voir que ça fonctionne bien, le rapatriement. Et si je fais un clic ici, j'ai accès à la page d'information avec les différents screenshots. Ok, screenshot, commentaire, description. Alors, je suppose... Ah, on peut se connecter. Je suppose qu'on peut se connecter ben, pour voter, pour donner son avis. Alors, ce que j'ai pas montré, un clic droit sur une application épinglée au doc, exemple gestionnaire de fichiers, nous ouvre donc une petite fenêtre contextuelle. Et chaque application a sa propre fenêtre contextuelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas retrouvé les mêmes options dans, par exemple, le gestionnaire de fichiers et Google Chrome. Hein? Voilà, ok. Voilà. Alors maintenant, je peux décider de la détacher du doc, de l'ouvrir. Elle est ouverte, mais je peux. Voilà. Ah oui. Et alors, une fois qu'une application est ouverte ou fermée, on n'a pas encore affaire au même menu contextuel. Si je fais clic droit là sur le gestionnaire de fichiers alors qu'il est fermé, bah, je peux l'ouvrir. Maintenant qu'il est ouvert, voilà. Nouvelle fenêtre, fermer tout, toutes les fenêtres détachées du doc. Alors, je peux détacher du doc. Admettons que moi, je vais garder le launcher. Je vais garder l'icône qui me sert à montrer mon bureau. La vue multitâche, fichier, oui. Deepin Store, non. Donc, je détache. Alors, Deepin Film, je détache. Chrome, je garde. Paramètres, je garde. Shutdown, donc redémarrage, tout ça. Je garde. Volume, ouais, ben tout ça je garde. Maintenant, si je veux en épingler d'autres, je me dirige vers le launcher et on va faire le tour. Internet, admettons que je veux Thunderbird. Voilà, j'effectue un clic droit, ouvrir, envoyer sur le bureau, épingler au doc, ajouter au démarrage, donc directement, démarrage automatique à l'ouverture de la session, et je peux désinstaller. Donc c'est on ne peut plus facile. Bon, lui, je vais l'épingler au doc. Voilà, il est là. Alors, clic gauche maintenu, et je peux déplacer. Ok.
Maintenant, je pourrais, clic droit, l'envoyer sur le bureau. On a entendu le petit bruit. C'est pas un chien qui aboyait, hein. Donc, il est bien sur le bureau. Si je fais un clic droit dessus, ouvrir, couper, copier, renommer, compresser, créer un lien, l'envoyer à la corbeille ou les propriétés. D'accord? Bon, on va l'envoyer à la corbeille. Voilà, on peut voir que le design de la corbeille a changé. Clic droit, vider. Oui, vide là. Ah oui, alors voilà, c'est ça le fait qu'on a activé le son système. C'est tous les petits sons que vous venez d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? À l'époque, je me souviens, une des toutes premières versions de Deepin, on pouvait par exemple, si je faisais envoyer sur le bureau, envoyer sur le bureau, envoyer sur le bureau, on pouvait, en effectuant un clic gauche maintenu et en déplaçant l'un sur l'autre, on ne peut plus. On pouvait, ça créait automatiquement un dossier. Et ça choisissait un nom d'après un nom, un thème, d'après les applications qui se trouvaient dans le dossier. Donc ici, bon, on va faire New Folder, on va faire OEPS, clic gauche maintenu, on sélectionne tout, clic gauche maintenu, on déplace. Voilà, si je fais un clic droit sur le dossier, moi, mais j'ai pas d'autre option. Et on peut voir que là, j'ai fait un double clic. Ok, elle n'est pas installée. Ok, ce n'est jamais que l'installateur. Voilà. Alors, je continue mon petit tour. Internet, c'est fait. Musique, Spotify, non. Ah, par contre, on va mettre VLC. Épingler au dock. Vidéo, non. Graphisme, capture d'écran Deepin. Oui. Jeu, ben. Ah. Steam. Steam n'est pas installé. Je suis quasi sûr que c'est l'installateur. Voilà. Bureautique. Ah, ça m'intéresse, épingler au dock. En lecture, donc visionneur de documents, système. Ah, on va aller voir ça après. Gestionnaire de fichiers, des pin store, ah, le terminal, hein, important. Outil de numérisation, donc ça doit être Simple Scan. Gestionnaire de démarrage d'Ipin. Hein. Play. Donc s'il vous plaît, sélectionnez une image ISO. Ah, c'est un outil, à mon avis, comme je le comprends, pour se créer donc une clé USB bootable, je pense. Je sais pas. À voir. Alors. Donc ça c'est fait. Computer, show desktop, la corbeille, centre de contrôle, vue multitâche, moniteur système. Mais pour ça, on va l'épingler, mais on le lancera après. Je vais redémarrer l'ensemble, la calculatrice. Voilà. Gestionnaire de pilote. Ah, installateur de paquets. J'ai de billes, j'ai par tête. Gestionnaire d'archives. Lui, il m'intéresse aussi. Alors, gestionnaire de pilote. Je pense que j'ai dû installer l'Intel Microcode, mais je n'en suis plus sûr. Donc, je vais vérifier. J'avais dit que je la ferais courte et je vois que je suis déjà à 41 minutes. C'est pas possible. C'est même pas permis. Ouais. Maintenant, la nouvelle mode est aux vidéos courtes, mais j'ai encore foiré mon coup. Ah, voilà. Ça aussi, je vous montrerai. Hyper important parce que c'est bien, ben voilà, on peut personnaliser grâce à un thème, donc un thème général, un thème au niveau des icônes, mais bon, certains sont sûrement disent que maintenant, mais c'est bizarre, et le doc, quoi, il reste là, on peut rien en faire, mais si on peut travailler dessus, je vais vous montrer ça. Alors, ah non, je n'utilise pas Intel Microcode, donc je pourrais l'utiliser. Donc, on va l'utiliser.
Voilà, les ressources de ma bécane, elles sont pas utilisées. Par contre, voilà les ressources du serveur. Voilà, 36%. Il me reste un peu un bon gros 7 gigas en RAM. Voilà. Voilà, on peut voir que Steam c'est parfaitement bien installé. Donc ben Button Steam. Voilà. Intel Microcode c'est bien installé. Alors, donc j'attribue 2 cœurs. On tourne aux alentours des 7-8% de moyenne. Mais alors, voilà, c'est lourd. Entre guillemets. Hein, on n'est pas, on n'est plus à la course. Il y a un moment donné, il y a des limites. À un moment donné, c'était la course à l'environnement qui allait utiliser le moins de RAM. Oui, et puis quoi? Je vois pas où on va en venir à ce niveau-là. Comme Apple qui était à la course à la haute résolution. À un moment donné, quoi? On était tellement haut dans la résolution que, à la limite, on ne percevait plus les changements. L'œil humain ne peut plus percevoir les changements. Mais là, c'est un peu la même chose. On est à la course à l'environnement qui consomme le moins. Hein? Mais si c'est pour utiliser un environnement dépourvu de toute fonctionnalité et que moi je dois m'adapter à l'environnement de bureau juste pour le fun parce que je voilà je suis à la course allez à la course au niveau de la consommation de la mémoire vive par rapport à l'environnement de bureau, bah, ça devient ridicule. Ok? Donc là on a à 935 mégas. Surtout dites-vous bien qu'on voilà on n'est plus il y a 10 ans. Minimum, les machines sont vendues avec 4 en RAM. Donc là, on a 935 mégas de partie. Ok. Alors, concernant la personnalisation du dock, clic droit. Pas sur une icône, dans un espace vide. Voilà. Mode. Fashion mode ou efficient mode. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ici, on ne peut plus appeler ça un dock, mais plutôt une barre des tâches. Alors, ben, je peux la positionner au-dessus, cette barre des tâches, à gauche, à droite, mais là je vais revenir en bas. Alors, qu'avons-nous encore? La taille, large, médium, où nous avons small, statut. Ah ouais, donc ce qui veut dire, je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers. Je vais ouvrir le terminal, je vais ouvrir la calculette. Alors, déjà. Ah oui, alors on a l'aimantation, que ce soit au niveau du dock, l'aimantation entre les fenêtres. Pas l'aimantation, je me trompe. Les fenêtres ne sont pas attirées. Mais on a la. Voilà, ce n'est pas l'aimantation, c'est une résistance au bord. C'est génial. C'est basique en même temps. Alors, par contre, ici, on voit que l'espace est réservé pour le dock. C'est-à-dire que le dock, il a sa place et il garde sa place. OK? Et je dirais même mieux, les fenêtres vont passer en dessous du dock. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le dock a son espace réservé. Si je fais un clic droit sur statut, voilà. Là, le dock, ou la barre des tâches, disparaît. Si je descends vers le bas, à l'emplacement de la barre des tâches du dock, voilà, il y a une réapparition qui se fait. Ou alors, je peux sûrement demander un genre de masquage intelligent. Voilà. Et là, ça devient pas mal du tout. Donc, sudo apt-. Oh, on va faire, ouais, apt install. Moi, je suis toujours de la vieille école avec mon apt-get. Alors. Hein, un petit bug d'affichage, mais voilà, c'est un petit test. Je lançais ma machine sur le serveur. Oh,
On va faire ceci, on va faire ça, on va faire htop.